Coucou les yogis, c'est Valentine. Écoutez, je n'ai pas résisté encore à l'envie irrépressible de vous faire cette petite vidéo suite à la joie ressentie ce matin avec mon fils Lou en le conduisant à l'école après les vacances. Ces moments sont tellement rares mais ponctuels qu'on en profite à chaque fois. Et on a fait des petits jeux, on a sauté sur les... Vous savez les passages cloutés là, blancs, il y en a un là. Voilà, on a joué là-dessus, il fallait marcher que sur le blanc, mais qui n'a jamais fait ça, hein. Et il fallait éviter le rouge des crocodiles, mais on a tellement ri. On a couru parce qu'on était en retard pour arriver à l'école, du coup on s'est réchauffé. Et je voulais prendre ça comme exemple pour vous dire qu'en fait on a toujours le choix de changer la manière dont on voit les choses et de changer sa vision. Et moi qui dois faire des allers-retours entre Dunkerque et Le Cat, par la force des choses, en fait, j'ai pris goût à cette vie, j'ai pris goût à ça. Et je suis super contente aussi parce que je me sens connectée avec toute ma famille, avec mes amis de tous les endroits. Et je peux avoir une amie à Dunkerque, une amie en Martinique, une amie ailleurs. Quand je pense aux gens, ils pensent à moi et hop, on se retrouve avec des petits messages, des connexions, des synchronicités. Je pense que vous connaissez ça aussi. Et donc cette petite vidéo juste pour dire youpi, merci, vive la vie, merci la vie, vive la vie, c'est trop bien. Je trouve qu'on a super de la chance d'être là dans cette matière. Et là je vais chez mon amie Suzy et puis je vois qu'elle est en train de jouer du piano parce qu'elle a décidé de se faire plaisir et elle s'est offert un piano pour ses 40 ans. Et Suzy, c'est un petit ange parmi les anges. En même temps, je pensais à mon amie Alice et elle... Et je l'ai croisée dans la rue. Enfin, je trouve que c'est incroyable et c'est génial. Et je trouve que quand on ouvre son cœur et qu'on est comme ça dans l'ouverture et la joie, et ben il y a toute la magie qui se passe. Et ce matin, j'étais quand même un peu dans la loose en allant conduire ma fille au collège. Il était tôt et puis j'avais froid et puis j'étais triste. Et puis après, je me dis non, je vais changer ma vision des choses. Et hop, la vision des choses qu'on a, elle peut transformer notre journée. Alors, merci à vous les yogis, merci pour toute votre joie, vos sourires, et puis namasté, passez une bonne journée.